Chers collègues, avant d'aborder le seul point inscrit à l'ordre du jour de notre présence, séance, je tiens à rappeler la loi portant règlement intérieur du Sénat. Aucun débat, aucun vote, à l'exception des débats de vérification en début ou en cours de législature et de l'élection du président du Sénat, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Combiné de l'article 21 alinéa 2 de la Constitution et de l'article 14 alinéa 1 et 2 de la loi portant règlement intérieur du Sénat, au début de la législature, ou de la première session ordinaire de l'année législative, avant toute délibération, le Sénat émet son bureau définitif composé d'ainsi qu'il suit. Un président, un premier vice-président, quatre vice-présidents, trois questeurs, huit secrétaires. Chers collègues, après ce bref rappel, nous allons immédiatement procéder à l'élection du président du Sénat. Conformément aux dispositions de l'article 15 de notre règlement intérieur, le président du Sénat est élu au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. À défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit pour être déclarée élue. Quels sont les candidats au poste de président du Sénat? Madame la Présidente, je me passe la parole. Je propose comme candidat le sénateur M. NIAT NJIFENJI MARCEL. Enveloppe 82.
deux votants. Senitoriat difenge.
NIAT JIFENJI. C'est le 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 NIAT JIFENJI. Le sénateur Marcel
NJIFENJI. Majorité absolue le 10. C'est 50 plus 1. Donc c'est la moitié de... C'est combien? 42. Marcel, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, est proclamé élu président du Sénat, conformément à ce conformément à l'article 15, alinéa 3 de la loi portant règlement intérieur du Sénat, j'invite Monsieur le président élu à prendre place immédiatement au fauteuil de président du Sénat. Nous sommes à la officielle et je dois vous dire les mots que convient Madame Adrienne Dage. Mes chers collègues, sénateurs, une émotion particulière me saisit au moment de vous dire ces quelques mots. Ce mot qui est fondamental, ce mot que tout le monde pourrait dire. Merci. Je vous remercie d'avoir renouvelé votre confiance en moi. En portant à la présidence de la Chambre haute de votre Parlement, aujourd'hui à chaque fois que mon parti RDPC a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne au cours de la justice législative qui s'achève. Voyez donc sincèrement et profondément remercier. Ma plus profonde gratitude va tout naturellement à son excellent Paul BIYA, président de la République du Cameroun et président national du RDPC, qui a bien voulu une fois de plus me renouveler sa haute confiance. Je me consolerai de vous montrer digne de cette haute confiance en inscrivant, comme par le passé, ma mission avec plus de grande responsabilité. Mes chers amis, une fois de plus, merci à toutes et à tous. Procédons maintenant la mise en place de l'ensemble de nos groupes pour l'année législative de 2023 et à l'élection du vice-président du Sénat. Continuez, s'il vous plaît, la lecture.
scrutin qui va finir dans le mal, à la majorité absolue des suffrages en droit et plus. À défaut de la majorité absolue, je promets tout, je vais absolument procéder à un second tour pour lequel la majorité relative est présente. Quels sont les candidats? Oui, tu n'es pas bien. Thank you.